Salut tout le monde, bienvenue dans la 7ème manche de ce championnat de Formule 1 2016, direction le Montréal, le Québec, avec comme objectif de préparer le moteur pour la prochaine manche qui aura lieu pour le Grand Prix d'Europe à Bakou. Nous sommes en direct du circuit Gilles Villeneuve de Montréal, où les circuits finalisent les préparatifs avant la séance d'essai libre du jour. C'est en 1999 que le mur extérieur dans le dernier virage du circuit a interrompu la course de trois champions du monde de Formule 1, Damon Hill, Michael Schumacher et Jacques Villeneuve, et a été rebaptisé le mur des champions par les fans du monde entier. Mais les virages les plus réputés de ce circuit sont les 13 et 14, une chicane rapide qui force les pilotes à utiliser les vibreurs et à se rapprocher dangereusement du mur. Rouler sur ces vibreurs trop vite peut signifier l'arrêt de la course et vous verrez de nombreux pilotes faire des erreurs en s'engageant dans le virage 13, puis court-circuiter la chicane pour ne pas heurter le mur. On débute donc ce nouveau week-end avec la découverte du circuit Gilles Villeneuve qui nous accueille donc pour ce Grand Prix du Canada. On commence cette séance du vendredi matin avec la présentation du circuit. On tente de mieux que possible prendre les trajectoires. Au début de cette vidéo, j'aimerais vous passer un petit mea culpa pour cette vidéo justement, qui devait être à la base réalisée en vue TV, mais qui, suite à une update du jeu passé en version 1.5 et à différents soucis, notamment une sauvegarde de mi-session, eh bien le replay n'a pu m'être proposé en fin d'épreuve, donc navré. Pour cette erreur, la prochaine manche, qui elle sera en Azerbaïdjan, devrait être normalement diffusée en version TV. Donc on va rester au cœur de la course de Stoffel, ce qui plaît à bon nombre d'entre vous. Donc navré aux plus fanatiques de la version TV. On poursuit avec un circuit qui a été reskiné également. On a pu découvrir les nouveaux sponsors de la F1 qui ont été installés. Une certaine marque de bière verte que vous pouvez retrouver dans la ligne droite des stands. Une saison qui se passe bien pour nous. Également un petit retour sur les performances de la McLaren qui devrait baisser dans les prochains Grands Prix. Alors on a une petite période d'euphorie avec le podium de Monaco et ça devrait se calmer sur les prochains circuits qui sont très rapides et les évolutions qui arrivent devraient nous aider à survivre face à des équipes comme par exemple Toro Rosso qui ont une évolution particulièrement impressionnante. Joli travail, ce circuit n'a plus aucun secret pour toi on dirait. Je pense que ça fait une bonne base pour le week-end. Pour assister à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivants. Hamilton, Rosberg et Max Verstappen. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Et vous l'avez vu, une première séance d'essai libre qui se termine pour nous à la dernière place avec les pneus soft. Les ultra soft sont de sortie, tout comme pour le Grand Prix de Monaco. Et dans cette deuxième séance d'essai libre, on va tenter de s'attaquer aux chronos, aux meilleurs chronos 3 tours pour réaliser le meilleur temps possible, occasion de découvrir cette piste et d'en parler un petit peu. Ici on passe dans le 2ème S qui en 1980 avait fait beaucoup de dégâts aux jambes de Jean-Pierre Jabouille. Un 2ème S ici où en 2011 Sébastien Vettel avait fait un très beau dérapage rendant la victoire à Jenson Button. On continue à évoluer. Alors on va arriver dans un virage qui a connu un accident très important avec Jean Alési en 89. Qui, au moment où il quittait sa voiture qui venait de percuter les pneus, eh bien une autre voiture était venue s'encastrer au même endroit, donc fort heureusement Alési était sorti de sa voiture. L'épingle du fond, comme on l'appelle vulgairement, c'est ici qu'en 2007, le pilote polonais Robert Kubica était victime d'un terrible accident. Il s'en est sorti miraculeusement avec simplement une cheville foulée. La zone de DRS la plus intéressante ici, pourquoi? Parce qu'elle n'est dépendante qu'une seule zone de détection, c'est-à-dire un point de détection à la sortie de l'épingle. Et ensuite, une première zone ici. On passe la chicane avec à droite le célèbre mur des champions dont on vous parlait dans la présentation de cette course. Et ici, voilà la deuxième zone DRS qui dépend toujours de l'écart que vous aviez avec la voiture lors du passage de l'épingle du fond. Voilà pour un petit peu de découverte de cette piste. Et on va conclure ce vendredi avec le temps en ultra soft de 1.15.874 juste devant Fernando Alonso, ce qui veut dire qu'on est plutôt bon par rapport à nos adversaires et que la McLaren fonctionne bien, ce qui est un petit peu une surprise ici. Découvrez également le reste du classement de cette deuxième séance d'essai libre. Avant de passer au samedi matin, retour dans le paddock avec, vous le voyez, 900 points disponibles. Et comme prévu, nous allons faire évoluer une deuxième fois le moteur Honda de cette McLaren en prévision de Bakou. Et regardez, ça devrait nous permettre de continuer à nous battre avec les Toro Rosso. Samedi matin reste la dernière séance d'essai libre. De quoi travailler sur les pneumatiques. 7 tours à couvrir en ayant une certaine quantité d'usure de gomme avec un delta à respecter.
Exercice un petit peu facilité depuis les dernières mises à jour des fins 2015, chose qui est un petit peu dommage puisqu'il fallait se battre avec le Delta. Alors certaines personnes en commentaire me disaient oui, vas-tu passer en difficulté légende? Alors pour l'instant ça n'est pas au programme pour l'instant puisque la McLaren se situe là où elle doit être et je rappelle que ceci est une saison virtuelle et que ceux qui disent que ça n'est pas la réalité parce que la McLaren progresse bien, le but ici n'est pas de faire la même chose que ce que vous avez sur votre télé en vrai. Le but est de créer une aventure et de créer une nouvelle saison dont on ne connaît pas l'issue. Ça n'aurait donc pas d'intérêt. Donc voilà un petit peu pour mon point de vue à ce niveau-là puisqu'il y avait beaucoup de retours. Petite frayeur dans l'avant-dernier passage au transpondeur puisque vous avez vu qu'on est allé dans le rouge. On a été gêné par la sortie de la Williams qui est juste devant nous. Mais rien de bien grave, on va pouvoir compléter les 80 points nécessaires à terminer cet exercice en essai libre avant de passer à la qualification qui sera très importante puisque on a un rythme avec Alonso ici qui est très élevé et on pourrait donc retourner la situation par rapport aux Williams et aux Toro Rosso qui sont devenus bien véloces. Terminé, beau travail. Retourne au garage histoire d'exploiter les données. En ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Hamilton, Vettel et Kimi Raikkonen. Les chronos des essais s'affichent. Il faudra alors patienter pour l'attribution des points. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Ah, je vous cherchais. Le patron m'a fait lire la rubrique People ce matin. On dirait que tout le monde en a après votre nouveau rival. Voici les détails. Et après avoir battu Fernando Alonso, nouveau rival dans cette saison, Max Verstappen, le néerlandais, qui va être compliqué à battre, je le sens. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Les objectifs donc rentrer dans le top 10, la Q3 effectivement en qualification et terminer devant Alonso et Max Verstappen en course. Où se déroule la séance de qualification pour le Grand Prix du Canada. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Début de la séance qualificative et surtout fin de la Q1, il ne pleut plus. Vous avez vu que les conditions étaient assez dantesques au tout début de la séance, mais ça s'est amélioré et on va tenter de rentrer un chrono en pneu intermédiaire. Regardez, pour l'instant, c'est Nico Rosberg, le pilote allemand, qui est le plus rapide avec des pneus full wet. On tente de sortir, c'est encore très humide, mais ça devrait le faire d'ici quelques minutes avec le passage des voitures sur la piste. On va entamer notre tour rapide. Désormais, voilà la sortie de la chicane du mur des champions avec, regardez, tout le monde désormais en intermédiaire et un Felipe Massa avec le meilleur temps. On sait que les Williams ne sont pas régulièrement à la folie, à la fête quand il pleut. Et bien ici pour l'instant Massa est en train de tenir la dragée haute à ses principaux adversaires, mais Kimi Raikkonen remet les pendules à l'heure avec la Ferrari. Vous voyez que ça glisse énormément, donc on est dans une période assez difficile. Il y a encore un petit peu trop d'eau pour les intermédiaires, mais ça reste la meilleure option, donc un petit peu une loterie dans cette première séance. Vous voyez qu'il reste moins de 5 minutes en haut à droite de votre écran. Et le but ici va être d'être le dernier en piste pour avoir la piste la plus sèche, puisqu'il devrait ne plus pleuvoir pour la fin de cette séance qualificative. On ajoute à ça les feuilles qui viennent se déposer sur la piste. Donc une piste est très grasse, très glissante. Nico Rosberg reprend le meilleur temps en 1.26. Vous voyez que ça tombe régulièrement à chaque fois qu'un pilote passe le transpondeur. Eh bien, il améliore son chrono. De notre part, on fait quelque chose de plutôt propre dans cette Q1 et on devrait sans problème se placer, eh bien, même devant Nico Rosberg, parce que regardez, on est une demi-seconde plus rapide que notre meilleur tour actuel. Pour l'instant, on est dixième, donc pour l'instant, on passe en Q2. On rappelle que ce sont les 16 premiers qui passent en Q2. L'accélération, le dernier freinage qui est très délicat, on peut tout simplement ruiner un tour sur ce freinage. Du mur des champions, la chicane qui est passée, on réaccélère sur le vibreur, ça glisse beaucoup, mais ça devrait le faire. Regarder l'écart au niveau du transpondeur, on est tout simplement en 1.25, c'est-à-dire 4 dixièmes de mieux que notre tour précédent. En tout cas, Nico Rosberg est désormais battu. On rentre au box. Dans cette séance, vous voyez qu'il n'y a pas de quoi passer les pneus slicks, c'était ce que je craignais en toute fin de séance, mais personne
je pense, ne va tenter le coup. Donc un week-end qui se place bien pour les McLaren. On va tenter, pourquoi pas, d'aller chercher une 2-3e ligne, comme on a pu le faire à Monaco avec la pole position. Mais bon, on va redescendre un petit peu sur terre. Monaco était ce qu'on appelle un cas isolé. On a eu beaucoup de chance. On devrait retrouver ce rythme du côté de Singapour si la fiabilité est là et si la voiture continue d'évoluer. En attendant, eh bien, place au résultat de cette deuxième séance, de cette première, pardon, séance qualificative. Et on va devoir passer sur du sec pour la deuxième séance. On attend avec impatience qu'on nous remet dans notre box, on sèche tout ça et on nous présente le tableau, le voici. Et nous terminons en première place de cette Q1 qui était un petit peu une loterie, comme je le disais, avec Fernando Alonso, 4e. Donc les McLaren se débrouillent bien au niveau des pilotes importants qui ont été éliminés. On notera Daniel Ricciardo, le pilote australien qui a été bouté en dehors de la Q2. Q2 qui débute avec, vous le voyez, le temps sec qui a rejoint le ciel de Montréal, mais la Q2 qui se termine, surtout on est en pneu ultra soft. Pourquoi ? Parce que j'ai tenté de rentrer un chrono en super soft et je n'ai obtenu que le 12e temps. Donc le coup de Monaco ne peut pas être réédité. Donc on est condamné à partir en pneu ultra soft pour la course, ce qui est un petit peu dommage. Pour l'instant, un premier secteur qui n'est pas top. Hein, on est en train de perdre 4 dixièmes sur notre meilleur temps personnel, mais on peut rattraper rapidement ce temps perdu avec les pneus qui sont bien évidemment plus performants que ceux que l'on avait en premier run dans cette Q2. Un petit peu de marbles récupéré dans ce deuxième secteur. L'épingle du fond, d'ici quelques secondes on freine à 100 mètres. On essaie de ne pas bloquer les roues, on repasse en première. Sortie de la chicane, le verdict du chrono à moins de 30 secondes de la fin de l'épreuve. Et on se place 7e juste devant Fernando Alonso. Les deux McLaren sont en Q3. Belle performance, 8 et 9e au final. Max Verstappen est 4e, Daniil Kvyat est 3e. Et Carlos Sainz 7e. Les Toro Rosso sont dans une forme incroyable. La surprise, c'est l'élimination de Sébastien Vettel, 12e. Entre le Canada et la Formule 1, c'est une véritable histoire d'amour. Les tribunes sont toujours bondées. C'est un pays qui nous a offert des pilotes du calibre de Gilles et Jacques Villeneuve et des grands prix palpitants comme en 1979, 1998 et 2011. Ils adorent la compétition automobile et nous, nous adorons venir. Vous voulez de la vitesse? Alors vous êtes au bon endroit. Les 4,3 km de ce circuit se parcourent pied au plancher sur 59% du tracé avec une pointe à 338 km/h avant la deuxième chicane. Mais cela nécessite une discipline de fer et les quelques murs en bordure de piste rappelleront aux pilotes de ne pas avoir le pied trop lourd. C'est l'un des circuits préférés des spectateurs comme des pilotes. Nous sommes bien au Canada. Ce circuit nous a toujours réservé de nombreuses surprises. Et c'est Nicolas Martin qui m'accompagne. Je ne crois pas qu'il y ait un autre circuit qui offre aussi régulièrement des fins de course d'une telle intensité. Naturellement, à la fin du Grand Prix, les freins commencent à être usés, les conditions météo peuvent évoluer. C'est donc une lutte de tous les instants jusqu'au dernier virage. Tout le monde se rend compte que c'est toi qui portes l'équipe en ce moment. Encore deux ou trois bons résultats et tu passeras numéro 1. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole et Nico Rosberg complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, une McLaren, Sainz, Kimi Raikkonen et Kvyat, Alonso, Massa, Bottas et Max Verstappen, Grosjean, Vettel, Nico Hülkenberg et Perez. Gutiérrez, Palmer, Rio Arianto et Daniel Ricciardo, Ericsson et Nasser, Kevin Magnussen et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Bien, on va faire chauffer la voiture pendant ce tour. On vérifie les vitesses, alors essaie de toutes les passer. Début du tour de formation, et vous l'avez vu, une grille de départ avec quelques surprises, on l'a dit. Sébastien Vettel qui partira donc 12e et Daniel Ricciardo 18e. Donc deux pilotes prétendants
à la victoire qui vont se retrouver à devoir effectuer une belle remontée. Le soleil est de mise, il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui du côté de Montréal, ce qui est une bonne chose. On est donc troisième sur la grille de départ. On va donc profiter peut-être de un meilleur départ, pardon, que Carlos Sainz. La mise en température qui se poursuit. Les deux Mercedes ont donc verrouillé la première ligne. On espère voir un bon départ de leur part. On sait qu'habituellement les Mercedes ne sont pas les meilleures partantes à l'extinction des feux. Donc il y a peut-être une opportunité pour nous de se glisser entre les deux flèches d'argent et de rentrer dans un rythme qui serait plutôt soutenu. À voir si ensuite la McLaren peut tenir ce rythme sur le long terme. On est dans un point critique de la saison puisqu'on va arriver sur des circuits et très rapide comme par exemple l'Azerbaïdjan, le Spielberg en Autriche, et il va falloir rapidement faire évoluer cette McLaren si on veut garder le train et ne pas retomber là où nous étions en début de saison, c'est-à-dire nous battre pour les points. Les premières voitures viennent se placer sur cette grille de départ d'ici quelques instants. L'extinction des feux au Canada, on attend que tout le monde se mette en grille, on se retrouve pour l'extinction des feux. Départ du Grand Prix du Canada avec un bon envol de Lewis Hamilton, un peu moins bon de Nico Rosberg derrière. Kimi Raikkonen est déjà là pour nous faire l'extérieur et ça passe pour la Ferrari. On a été peut-être un peu trop prudent dans le chef de Van Dorn. Attention, Sainz pourrait peut-être également le contact avec Carlos Sainz. Un départ plutôt propre, toutes les voitures passent. La première chicane, on s'engouffre dans les premiers S et ça se passe bien pour l'instant. Mais c'est Daniil Kvyat et Carlos Sainz qui se battent derrière et qui perdent du temps sur les 4 premiers. Très bon envol de la Ferrari de Raikkonen, de quoi donner des regrets à Sébastien Vettel qui partait 12e. On fera un point un peu plus tard sur le classement de cette épreuve. Kimi Raikkonen déjà à l'attaque peut-être de Nico Rosberg. Il faut voir les pneumatiques montées par les différentes voitures avec ce qui a été fait en Q2. L'attaque peut-être déjà de Kimi Raikkonen à l'épingle du fond, non. Et effectivement, vous voyez Kimi Raikkonen qui est en pneu ultra soft alors que Nico Rosberg, lui, est en super soft. Il y a donc une différence de performance entre les deux voitures. Première zone rapide ici à l'aspiration. Raikkonen qui déboîte. Est-ce qu'on peut s'infiltrer avec le Finlandais, créer la troisième ligne avant la chicane et passer en deuxième position? Quel freinage de la McLaren! Et on parvient à doubler les deux voitures à l'issue du premier tour. Et c'est donc Lewis Hamilton qui mène cette course. Et derrière, Nico Rosberg qui a perdu du temps au passage de la chicane, laissant ainsi Kimi Raikkonen s'emparer de la troisième place. Il y a donc trois voitures en pneus ultra soft aux trois premières places qui sont donc bien parties pour la stratégie à un arrêt. Alors on va parler stratégie, évidemment, on a le temps maintenant. Deux possibilités s'offraient à nous, soit deux arrêts en pneus ultra soft et ensuite un train de pneus super soft pour terminer, ou un train de soft. Et finalement, on a opté pour nous pour un seul arrêt puisqu'il pourrait y avoir une safety car. Et dans ce cas-là, on changerait un petit peu la donne. Mais pour l'heure, ça reste un arrêt où on passera des pneus ultra soft aux pneus soft, les pneus à bande jaune. Et s'il ne pleut pas, on devra passer les deux spécificités du pneu pendant la course. Kimi Raikkonen revient dans l'aspiration dans ce deuxième tour. On voit qu'on améliore bien. Évidemment, on n'est pas en départ arrêté dans ce deuxième tour, on est en départ lancé. La Ferrari qui est en train de remplir de rouge nos rétroviseurs alors que l'on passe dans la partie la plus délicate avec cette McLaren, celle qui bénéficie d'une grande vitesse de pointe. Et donc nous, avec notre moteur, c'est compliqué. On va voir si on peut tenir la dragée haute à la Ferrari. Deuxième tour couvert, toujours sous le commandement de Lewis Hamilton qui prend des dixièmes et des centièmes d'avance. 1:17.080. Il continue avec quasiment 3,5 secondes d'avance à courir vers la victoire, le pilote britannique. Derrière, Kimi Raikkonen revient évidemment. Nous perdons du temps, nous n'avons pas la meilleure voiture actuellement en piste. Le DRS est désormais disponible, très important pour se défendre, et on devrait subir la loi de Raikkonen à la fin
de ce tour, il pourrait récupérer facilement avec l'aide de son moteur Ferrari la deuxième place. Petit blocage de roue ici, attention, les pneus ne devraient pas faire long feu, on parle de 5 ou 6 tours pour les pneus ultra soft. Dans la fin du quatrième tour, Raikkonen n'est pas passé, il est à notre aspiration, il déboîte au niveau de la chicane, il nous fait l'extérieur. Est-ce qu'on peut se défendre par rapport aux Finlandais? Ici, nous venons de passer le point du transpondeur qui détermine qui obtient le DRS. Nous sommes derrière, nous avons donc le DRS. Une chance de revenir sur Raikkonen. Non, c'est lui qui l'a, pardon. Et avec le DRS, impossible de battre la Ferrari qui a une bien meilleure vitesse de pointe et qui est surtout mieux placée que nous. Et on doit laisser Raikkonen garder sa troisième place. Il va de nouveau obtenir le DRS. Voici dans la deuxième partie, mais nous sommes mieux ressortis, mais rien à faire. La McLaren n'est pas assez performante, Raikkonen ferme d'autant plus la porte. Ce n'est pas trop grave à ce stade-ci de l'épreuve puisqu'il n'y a pas encore de marbles sur le bord de la piste. On peut donc faire quelques écarts de stratégie. On nous propose de passer sur une stratégie à deux arrêts, ce que l'on va refuser. On va tenter d'emmener un petit peu plus loin ces pneus ultra soft puisque les performances ne sont pas trop altérées pour l'instant. On arrive à faire quelque chose de soutenu sans perdre trop de performances à l'issue de ce cinquième tour de course. Et regardez Raikkonen qui a déjà pris plus d'une seconde d'avance. On ne sera même plus apte à avoir le DRS à la fin de ce tour. Il est parti beaucoup trop loin. La prochaine menace s'appelle Daniil Kvyat, le pilote russe qui est en train de faire une saison absolument fantastique avec des résultats très probants pour la petite structure italienne. Et ça continue pour lui et ça n'est pas bon pour nous au niveau du classement constructeur. Regardez Daniil Kvyat qui derrière est très performant avec les mêmes pneus que nous. Et on s'ouvre à l'épingle, il n'en faut pas plus à la Toro Rosso pour revenir dans notre sillage. L'obtention du DRS, voilà pour Kvyat qui va passer sur la gauche. On ne peut rien faire face au pilote russe. On se retrouve quatrième, on arrive sur un tour à être rapide. Les performances fonctionnent, le retour peut-être, non? On a tenté d'intimider Kvyat, mais on a plus été surpris par le blocage de roue. On reste devant Felipe Massa qui est à bonne distance pour l'instant. Pas de stress provoqué par le pilote brésilien, vous voyez 3 secondes 6, ça n'est pas quelque chose de dangereux, mais on reste au contact de la Toro Rosso parce que si on ne peut pas lutter avec la Ferrari en moteur, on peut par contre se battre avec la Toro Rosso qui elle a un moteur qui est plus de notre niveau. Dans ce sixième tour de course, il y en aura 35 à parcourir. Vous voyez qu'on est un petit peu plus lent. Et la Toro Rosso également. La Toro Rosso qui est très lente ici dans le S. On peut en profiter peut-être pour récupérer la troisième marche du podium. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais Kvyat qui semble en difficulté avec ses pneumatiques. Peut-être les premiers pilotes à flancher avec ses gommes. Vous voyez que ça commence à glisser à la réaccélération. Ça reste pilotable pour l'instant. Mais la différence est là. On le sent dans le volant. Et Carlos Sainz qui vient de dépasser Felipe Massa pour la cinquième position. Et on est de retour face à Kvyat. Deuxième zone de DRS et cette fois-ci nous avons l'avantage. Il faut encore par contre trouver la place pour dépasser. On propose l'extérieur. Attention, deux roues dans l'herbe. Oh, on va bloquer les roues et au large. Et Kvyat qui a bien défendu sa position. On a été contraint d'aller mettre deux roues dans l'herbe au moment de toucher les freins. Ça aurait pu très mal finir cette manœuvre. Heureusement, rien de tout cela. Vous voyez qu'au niveau de l'usure des pneus, le train arrière commence à être assez atteint avec plus de 40% sur les roues arrière. On va donc opter pour un arrêt qui doit avoir lieu entre le 7 et 12e tour selon la teneur des gommes. Donc on va, comme on dit, taper dedans. On n'a pas mis beaucoup de carburant également. On est parti avec une voiture plutôt légère parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de risques de safety car sur cette piste de Montréal. On zigzag un petit peu, on essaie de chauffer les gommes. L'arrêt au stand prévu au 7e tour, on va l'observer d'ici peu de temps. On tente une dernière fois de rester au contact de Daniil Kvyat, mais on voit que c'est trop tard. On est décroché, il vaut mieux donc opter pour un undercut qui nous permettrait, avec des gommes fraîches, de compenser cette perte de temps. Toujours Lewis Hamilton au commandement. Attention à respecter la fameuse limite des 80 km/h. Ça y est, nous nous sommes engouffrés dans la pit lane. Nous faisons partie des premiers pilotes à opter pour la voie des stands. Peut-être quelque chose de bénéfique d'ici
quelques tours. Les mécaniciens sont prêts à recevoir Stoffel Vandoorne et on passera donc les pneus soft qui eux seront à monter jusqu'au bout de cette épreuve canadienne. On est sur les mêmes gommes que les pilotes, un petit peu partis plus loin sur la grille de départ. Attention à la sortie, il y a beaucoup de monde. On va se retrouver aux côtés de Marcus Ericsson à la lutte avec Ryo Arianto, 13e de cette épreuve pour l'instant. Les manœuvres qui font, oh, attention, une belle épreuve. Marcus Ericsson lui est en pneu super soft. Ces pilotes-là ont été évidemment éliminés au niveau de la Q1 et de la Q2, donc ils étaient encore en train de se battre avec ce type de pneu. On rappelle que les pilotes qui partent au-delà du 10e rang peuvent choisir la gomme avec laquelle ils démarreront le Grand Prix. C'est pour cela que la 11e place est souvent fortement appréciée des pilotes de deuxième partie de tableau. En tout cas, avec devant nous la Sauber, on perd beaucoup de temps puisqu'on est plus rapide avec les pneus plus frais. Regardez, Marcus Ericsson, maintenant que les pneus sont chauds sur la McLaren, ne devrait pas longtemps résister à nos assauts. Déjà à l'épingle du fond, l'attaque à l'intérieur sur la machine suisse et voilà, c'est fait. L'équipe Sauber qui vient de céder une position. Nous sommes désormais 14e derrière Ryo Arianto. Et DRS pour les pilotes devant et derrière nous, donc pas de gain autour de nous dans ce secteur. Oh, attention, mais Marcus Ericsson qui revient à la chicane. Et oh, le contact, Marcus Ericsson en tête à queue. Marcus Ericsson qui est parti à la faute et drapeau vert devant nous, mais la Sauber qui est venue freiner à l'intérieur et on ne lui a pas forcément laissé assez de place au moment de freiner. Quelque chose d'assez délicat qui s'est passé, mais il y a eu une tentative assez désespérée là avec le DRS, mais c'était trop tard. Et on reste donc derrière Ryo Arianto. Première manœuvre houleuse de la part d'un des pilotes. Quant à nous, on reste en contact de la manœuvre qui devrait être une formalité à dépasser d'ici quelques secondes. 9e tour de compétition. Ryo Arianto qui résiste tout de même. La manœuvre qui évolue bien également dans ce championnat. L'attaque sur Arianto. Et on obtient la 13e place. Ça y est, nous sommes passés. Toujours 22 voitures dans cette épreuve. Pas d'abandon encore à signaler. Ça tourne bien pour tout le monde. La salve d'Ariostand qui va se poursuivre. Petit blocage de roue. Les pneus ne sont pas forcément tout de suite en température. Et la voiture, on le rappelle, qui fonctionne un petit peu moins bien avec ce genre de composants pneumatiques plus durs. L'Ariostand de Lewis Hamilton, ce qui laisse Kimi Raikkonen au commandement de ce Grand Prix dans ce 9e tour de compétition. Vous voyez que certains pilotes vont commencer à plonger dans la voie des box, ceux qui étaient notamment en tête de ce Grand Prix. Derrière, ça ne bouge pas. L'attaque d'Esteban Gutiérrez qui va tenter d'aller chercher la voiture de Sébastien Vettel et ça semble passer pour le Mexicain. Ils sont côte à côte, regardez ça, et ça nous permet de revenir cette petite lutte interne. Alors finalement, Vettel résiste de par la puissance de son moteur Ferrari qui n'est pas tout à fait le même que le moteur client dont est équipé la Haas et la monoplace américaine qui perd du temps et on en profite pour s'infiltrer peut-être, non ? C'était opportuniste, mais on est bien placé pour s'emparer de la 12e place. On bloque les roues, mais on est passé devant Esteban Gutiérrez. Belle manœuvre là avec les deux pilotes qui se sont gênés. Vous voyez qu'au niveau des pneumatiques, on est plutôt large, 7 et 8% d'usure sur le train arrière, de quoi aller largement au bout de cette épreuve. Quoique, si safety car il y a, on pourrait toujours rentrer, monter un train de super soft pour gagner du temps et de la performance. L'aspiration sur Sébastien Vettel, la bagarre continue, la remontée continue. Vettel qui n'a pas encore stoppé, qui lui est parti avec des pneus soft, évidemment partant au-delà du top 10. Raikkonen toujours leader. On va voir les premiers arrêts au stand des leaders. Je vous le disais, depuis un ou deux tours, ça stoppe. On a entendu notamment s'arrêter Hamilton. Pas de pluie, c'est ce qui nous est confirmé à la radio. On reste à la lutte avec Vettel. On va profiter de la deuxième zone de DRS pour peut-être déboîter l'allemand. Et la belle résistance de la machine italienne. On est à la limite du mur. Et finalement, Vettel reste devant. Belle bagarre avec le champion du monde allemand. Ça reste quelque chose de très propre pour l'instant. On continue d'évoluer aux portes des points à l'heure actuelle. Et on perd du temps avec Vettel puisqu'on est sur une voiture qui a des gommes plus usées devant nous. Donc ça n'est pas comme si on pouvait enchaîner les tours sur une piste libre.
Allez, on vous a laissé profiter un petit peu du moteur Honda de cette McLaren alors qu'il y a une nouvelle zone de DRS qui les attend. Évidente de ces voitures avec l'attaque d'Esteban Gutiérrez alors que Fernando Alonso opte pour la voie des box. Oui, Gutiérrez ne peut pas passer, on est à deux dans la chicane et celui qui va en profiter est derrière, je pense que c'est la voiture de Felipe Massa qui repasse alors qu'il y a beaucoup de voitures au box. On a vu les deux pilotes espagnols s'arrêter, c'est Valtteri Bottas, pardon, l'autre Williams, on n'avait pas vu alors que c'était, ça s'était passé juste au pied de notre cabine dans la dernière chicane. Et ça remonte bien, fin du 13e tour de course ici à Montréal avec la charge de Valtteri Bottas suivi par son équipier, les deux Williams qui portent peut-être l'estocade sur Van Dorn. Des pneus un peu plus frais pour les machines britanniques. Et vous entendez donc Rosberg qui se reprend après quelques soucis technique dont on n'a pas eu oui dire depuis le début de l'épreuve. Et finalement, peut-être que c'était simplement une gomme différente sur la voiture de Rosberg qui le ralentissait. Entouré du pilote en pneus soft, on va tenter de résister à Felipe Massa, ce qui va être difficile puisque vous voyez, ça glisse beaucoup. Et Massa qui a une réelle opportunité ici de passer. Le Brésilien très opportuniste à l'extérieur, il n'y a pas forcément la place de mettre la voiture. De nouveau l'aspiration, on est en train de discuter à la radio. Massa qui passe à l'extérieur, qui nous touche et qui va percuter le mur. Suspension cassée pour Felipe Massa, fin du Grand Prix pour le Brésilien. Et virtual safety car, Massa qui est allé se mettre avec deux roues dans l'herbe dans le mur au moment de toucher les freins. La course est neutralisée, ce qui ne devrait pas favoriser l'un ou l'autre pilote puisque tout le monde a opté pour un arrêt au stand avant ce 14e tour. Et donc, fin de ce Grand Prix pour Felipe Massa, le Brésilien qui est allé tout seul percuter le mur dans le deuxième secteur. La Williams est donc out et c'est une bonne chose pour certains, notamment les Ferrari qui vont pouvoir compenser le mauvais résultat de Vettel en qualification s'il peut poursuivre sur sa lancée, c'est-à-dire remonter. Attention, derrière nous, il y a Carlos Sainz. On rappelle qu'on est toujours en lutte avec Fernando Alonso, notre équipier, mais surtout Max Verstappen, le néerlandais, nouveau rival dans ce championnat. La libération des bolides, on repasse sous régime de drapeau vert dans ce 15e tour de course avec la voiture de sécurité virtuelle. Voilà, qui s'est désormais effacée. On reprend donc le rythme de course comme c'est conseillé. On va tenter de revenir sur la seule Williams désormais toujours en course, celle du Finlandais Valtteri Bottas qui doit reprendre une saison mitigée pour l'instant avec notamment un abandon du côté de Bahreïn. Mais les Williams qui vont arriver sur des circuits qui vont leur convenir, on pense notamment à Bakou et à l'Autriche, des circuits très rapides qui font la part belle au moteur Mercedes et donc au châssis de la Williams que l'on arrive à suivre de manière assez surprenante pour l'instant. Par contre derrière, Sainz ne va pas se priver pour utiliser le DRS, on check rapidement les températures du côté de Stoffel Vandoorne, on ouvre le DRS mais derrière on ne peut rien faire face à Carlos Sainz qui nous touche. Carlos Sainz qui est allé nous pousser malgré le DRS. Attention au freinage de la chicane. Et Sainz qui passe et qui opte pour l'intérieur. Est-ce qu'on peut relancer? Nous sommes également équipés du DRS côte à côte avec la Toro Rosso. C'est le duel de cette moitié de saison alors que Nico Hülkenberg est au box. Et ça passe. On récupère le 7e rang de cette course après une belle passe d'armes avec Carlos Sainz. Vous voyez que les Espagnols décidément ne sont pas prêts à nous lâcher avec Stoffel Vandoorne également qui doit se battre face à Fernando Alonso. Deux secondes de retard sur Valtteri Bottas, pas de quoi paniquer pour l'instant du côté du pilote finlandais. Dans notre stratégie tout se passe bien, pas de safety car, pas d'accident non plus à déplorer dans ce Grand Prix. Ça se passe pour l'instant sans souci. On notera simplement l'abandon de Felipe Massa. On entre quasiment dans la deuxième partie de ce Grand Prix. Il va falloir aller au bout avec ces gommes-là. Normalement, comme je disais, sauf voiture de sécurité, tout le monde ira au bout. Donc maintenant, c'est vraiment du racing en piste. Plus de stratégie, sauf s'il y a changement. La McLaren continue de bien rouler, de bien tourner sur cette piste. Elle reste facilement pilotable malgré et les pneus soft qui ne sont pas les pneus les plus agréables. Drapeau jaune dans le troisième secteur et l'abandon pour Nico Hülkenberg. La Force India qui a stoppé. Casse moteur pour le pilote allemand alors qu'il venait
de rentrer au box. Vous ne le verrez malheureusement pas en replay comme je vous l'ai expliqué, mais le drapeau jaune est toujours maintenu dans le troisième secteur. Va-t-on sortir une voiture de sécurité? On sait que les commissaires agissent vite. Oh, attention au blocage de roues ici, parce que si on se refocus un petit peu sur ce qui se passe pour nous en piste, Carlos Sainz est très très proche et de nouveau une peut-être attaque du pilote espagnol. On se loupe complètement au freinage. Oh, attention, il est sur l'extérieur et il peut passer. Oh, et la relance délicate de la Toro Rosso. On reste devant pour l'instant, mais ça n'est pas terminé, loin de là. Et après s'être battu avec Sébastien Vettel, on doit maintenant faire face à la Toro Rosso qui est bien véloce et qui profite de la vitesse de pointe de son moteur Ferrari. On zigzague un petit peu, attention au double changement de ligne. On arrive dans le secteur toujours sous régime de drapeau jaune. Vous allez jeter un œil sur la droite de la piste et vous allez découvrir la Force India arrêtée. Drapeau jaune, on ne doit pas dépasser, donc impossible pour Sainz de porter l'attaque. Voilà, sur la droite, la monoplace d'Hülkenberg qui est arrêtée juste au niveau d'un poste de commissaire. On demande aux mécaniciens de préparer les pneus ultra tendres en cas d'éventuelle sortie de la voiture de sécurité. On a vu que Sébastien Vettel était au box pour lui passer des pneus ultra soft. L'attaque de nouveau de la Toro Rosso de Carlos Sainz, ça passe à l'intérieur. Est-ce qu'on peut croiser? On aura le DRS ici au passage de la zone de détection de l'écart. Un centième de seconde de retard, est-ce qu'on peut porter l'attaque? Pas de DRS finalement. On était donc devant lui. Alors, est-ce qu'on peut mieux ressortir de la chicane? On y va allègrement avec les vibreurs. Ouais, on est bien sorti par rapport à la Toro Rosso. Il faut réussir à se placer à l'intérieur. Mais une fois que l'on place deux roues dans les marbles, impossible de profiter du moteur. On ne peut rien faire, tout simplement. On est en train de se battre avec Daniel Ricciardo derrière nous. La Red Bull qui est en train de remonter. Rappelez-vous, il partait 18e sur la grille de départ. Le pilote australien, et il est pour l'instant en train de faire une belle remontée avec les points normalement à la clé à l'issue de ce Grand Prix du Canada, dont il reste que très peu de tours, 16 boucles à couvrir. Et la lutte avec Sainz qui n'est pas terminée, on continue d'évoluer derrière la Toro Rosso. Attention à ne pas non plus surchauffer les moteurs, ça va devenir quelque chose de très délicat dans les prochains Grands Prix avec la location de moteurs qui va diminuer. Donc on s'attend à une fin de saison difficile. On verra si on fait évoluer encore cette McLaren à l'issue de la fin de saison, ou si on garde les points pour l'année prochaine et abandonner la voiture 2016. Ça n'est pour l'instant pas le principal des discussions. L'objectif est de battre notamment Max Verstappen, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le pilote néerlandais est devant nous au classement. Il doit être aux alentours de la 4-5e place, mais il doit encore observer un arrêt au box. Ça se poursuit pour Carlos Sainz. On est de nouveau bien sorti de la chicane, la même que tout à l'heure, et cette fois-ci nous avons le DRS en notre faveur pour se battre face au pilote espagnol. Est-ce qu'on peut déjà refaire la différence d'écart avec lui? C'est fait, mais pour l'instant ça reste une lutte à quelques dixièmes d'écart, donc pas vraiment de bagarre, si ce n'est se blottir et grappiller les dixièmes, les centièmes et les millièmes de seconde. Vingt-troisième tour, on se retrouve avec un classement qui a bien changé sur le haut de votre écran. Carlos Sainz toujours devant nous, impossible de dépasser la Toro Rosso. Par contre, derrière nous, c'est Romain Grosjean qui se présente avec une stratégie toujours décalée pour l'équipe américaine et des pneus super soft. L'attaque ne saurait tarder sur Sainz, on est très bien placé. On commence à observer depuis quelques tours le comportement de la machine italienne et peut-être l'attaque déjà à l'épingle du fond. Ça bloque les roues pour Carlos Sainz qui bloque ses deux roues, le contact pour ne pas l'aider. Et malgré les deux roues avant bloquées sur la Toro Rosso, il reste devant. On continue dans la relancée avec la zone de DRS, l'aspiration. On peut déjà être à ses côtés, on ouvre le DRS. Passage à l'extérieur, peut-être l'attaque avant même la chicane, mais sur la droite il y a une autre voiture qui passe. C'est Romain Grosjean qui va peut-être faire le coup en nous doublant tous les deux, non? Ouais, attention à la limite du contact avec Romain Grosjean qui a doublé donc Carlos Sainz. Et nous on se retrouve avec une voiture en difficulté, on n'a pas ouvert le DRS, on a un petit peu loupé le bouton sur le volant. Et à l'issue de ce 23e tour, nous sommes 5e, mais la Haas de Romain Grosjean fait le travail. Deuxième position de perdu pour Carlos Sainz, puisque c'est une Ferrari qui vient de s'infiltrer. C'est Sébastien Vettel qui remonte très très fort. Il va rester 10 tours de compétition ici
au Canada, le blocage de roue de nouveau et Vettel qui est très très chaud derrière, on le voit. Et les pneus arrière sont dans un état d'usure assez important, il va falloir tenir 10 tours avec ces gommes-là. L'attaque de Romain Grosjean, on ne peut absolument rien faire. Le pilote français qui nous fait l'intérieur et qui s'empare de la 5e position, il va falloir limiter les dégâts jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier. On pourra profiter normalement du DRS. Sébastien Vettel avec des pneus ultra soft va être très difficile à contenir. Le retour sur la voiture de Romain Grosjean au niveau de l'épingle du fond. Est-ce qu'on peut reprendre l'avantage sur la Haas? Ça n'est pas le cas pour l'instant. C'est une lutte de tous les instants, il faut regarder devant mais aussi derrière. Vettel au DRS sur la gauche, on ne peut rien faire. Regardez la différence de puissance avec la machine de Maranello. Vettel qui s'empare de la 6e place, va-t-il également avec le DRS aller chercher Romain Grosjean? Quant à nous, eh bien, on opte finalement pour une course à 2 arrêts. On va tout de suite stopper et on laisse même passer Fernando Alonso. La bonne nouvelle, c'est que Max Verstappen n'est que 11e du classement général. De quoi espérer un retour. On ne va pas monter des ultra soft, mais pour tenir jusqu'au bout et attaquer plus qu'il ne faut, ce sont des pneus super soft que l'on va monter. On sort des box au 13e rang derrière Esteban Gutiérrez monté en ultra soft et devant Sergio Pérez, le petit tacos, la mexicain qui nous est proposé. Et voyez les pneus frais et donc on devrait avoir une performance d'une demi-seconde au tour plus importante que bon nombre des pilotes. Donc de quoi être en force pour les 10 derniers tours. 27e boucle, justement, nous sommes 10e. Nous venons de dépasser Sébastien Vettel qui est au box et qui en ressort juste sous notre nez avec lui des pneus ultra soft. Donc il a donc bien appliqué la stratégie qui nous était proposée, ultra soft, soft et ultra soft. Mais ça ne suffit pas, nous avons les pneus chauds et nous avons surtout le couteau entre les dents et on s'empare du point de la 10e position. Il y a encore des voitures devant nous qui vont devoir stopper. Ce n'est pas le cas, par exemple, je pense, de Daniel Ricciardo qui, avec ses pneus super soft, saura amener sa Red Bull au bout de l'épreuve. 27e boucle donc, Vettel derrière, il n'a pas dit son dernier mot, il a des pneus frais, ils vont chauffer. Il va donc falloir se défendre, cette épreuve est loin d'être terminée. On tente de quémander quelques informations à la radio, mais s'il n'en est rien, on ne nous répond pas, on reste concentré. Vettel passe, c'est imparable l'attaque du pilote allemand. Avec la voiture qui nous précède est de 5,2 secondes. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. 9 tours restants. À moins de 10 boucles de l'arrivée, Sébastien Vettel est passé. On n'a pas pu profiter du DRS. La machine italienne est devant. Quoi que l'on fasse maintenant, il faudra se contenter de terminer au moins derrière Vettel. Mais ça serait pour nous une catastrophe si la stratégie de certains pilotes n'évolue pas, puisque cela voudrait dire qu'on serait en dehors des points. Donc une grosse frayeur. La première fois, on ne remplirait pas les objectifs de notre équipe alors qu'on est en passe de devenir premier pilote. Vous l'avez entendu en prologue de cette course ici au circuit Gilles Villeneuve, on pourrait, avec encore 2 ou 3 bons résultats, eh bien devancer Fernando Alonso dans les stratégies de l'équipe. Raikkonen en tête en pneus soft pour aller au bout de cette épreuve. Le pilote finlandais que l'on n'attendait pas, pareil fait avec les flèches d'argent, les Mercedes qui pouvaient être plus performantes. On est derrière Sébastien Vettel au niveau des écarts du transpondeur. Ça devrait nous permettre de passer sous la règle du DRS, ce qui est le cas, afin non pas d'attaquer la Ferrari mais de rester à son contact. On est devant Verstappen, contrat rempli, seul Fernando Alonso est devant nous, mais je pense qu'il y a encore un arrêt au box. On est très gourmand sur les vibreurs, on peut y aller, on a confiance en la voiture avec les pneumatiques montées. Meilleur tour en course pour Sébastien Vettel et on ne doit pas en être loin puisqu'on est en une 16-28 alors que lui est en une 16-16. Donc on est quelque part les deux pilotes les plus rapides en piste sur ce circuit Gilles Villeneuve. 30e tour de course, toujours à la chasse de l'Allemand avec de nouveau la zone de DRS. On est 11e, rien à bouger. Et regardez devant, il y a un train très lent sur lequel nous revenons tous les deux. Avec le DRS, ces voitures se rapprochent et il y a de gros points à aller chercher puisque devant nous, eh bien, se présentent 4-5 voitures même que l'on peut sans problème aller attaquer. Et on surprend Sébastien Vettel, mais on ne peut pas compléter le dépassement. La Ferrari qui résiste à la relance, évidemment, avec des pneus beaucoup plus adaptés, mais peut-être moins performants sur la longueur. Donc on ne sait pas où on va terminer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer dans ces 5 derniers
tour de course, on va rester ensemble quasiment jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier. Devant nous, vous voyez la Red Bull de Daniel Ricciardo actuellement 9e de cette épreuve à la chasse des Toro Rosso qui sont en train de faire un travail incroyable. C'est Carlos Sainz qui est devant, puisqu'actuellement Daniil Kvyat est en train de se battre pour le podium, pour la 3e place. C'est passé pour la Red Bull de Daniel Ricciardo. On va suivre Sébastien Vettel à l'aspiration, le train infernal. Vettel qui déboîte, est-ce qu'il peut attaquer? Non, mais nous on y va, on passe Vettel à l'épingle et on passe Carlos Sainz. Est-ce qu'on peut tenir la relance? Oui, c'est fait, les pneus soft de la Toro Rosso sont en bout de course sur les mêmes gommes que Daniel Ricciardo. Maintenant, la zone DRS, on peut encore gagner l'une ou l'autre position avant la fin de cette épreuve. Regardez la différence de performance avec Daniel Ricciardo. Est-ce qu'on peut attaquer à la chicane? On passe au freinage et c'est fait. On s'empare de la 8e position et on est derrière Fernando Alonso qui est désormais avec des pneus soft, donc moins performant. Rien n'est perdu dans ce Grand Prix du Canada, dont les 5 derniers tours vont être absolument vitaux pour le résultat. Alonso en bagarre avec l'une des Toro Rosso et une des As pour les points. Devant, on a donc Daniil Kvyat qui est 3e. 33e tour de course. Alonso toujours à la lutte et il perd du temps et il va réussir à trouver l'ouverture. Enfin, pour dépasser la Haas, ils sont côte à côte et tout ça, c'est tout bénef pour nous. On peut revenir sur ces deux-là puisqu'ils se battent et donc perdent du temps. Alonso n'a toujours pas trouvé la solution sur la voiture américaine. Serons-nous peut-être être plus habiles que lui et trouver la solution? La réponse d'ici quelques secondes. On est plus lent, évidemment, les pneus sont en bout de course. Le rythme baisse de 2, 3, 4, 5 dixièmes. La voiture commence également à glisser, mais ça reste tout à fait pilotable. On va rentrer dans les deux derniers tours de cette épreuve. Carlos Sainz derrière nous a été doublé par Sébastien Vettel. Est-ce que Alonso peut tenir la Haas ou non? La réponse avec la zone DRS qui va venir d'ici quelques hectomètres. On voit que devant c'est Nico Rosberg qui a eu des problèmes. Voilà Alonso qui est peut-être en train d'aller attaquer la monoplace américaine. Ça ne passe pas. On va toutes les deux, les McLaren, être titulaires du DRS. L'ouverture pour nous, c'est parti. On attaque sur la gauche. Fernando Alonso, peut-être avec des pneus plus performants, on joue le rôle de premier pilote dans cette équipe McLaren. On frôle l'aileron arrière de la McLaren de Alonso. On peut peut-être mieux se relancer à l'issue de la chicane. Ça glisse, mais on est avec le DRS. Et on revient en tenaille sur la Haas. L'avant-dernier tour vient maintenant d'être entamé. L'attaque sur Alonso. Il ne faut pas commettre d'erreur, absolument. Et ça passe, peut-être sur l'extérieur. Est-ce qu'Alonso résiste? On est côte à côte et finalement, Alonso abdique. Nous en prenons acte avec la 7e place affichée sur votre écran. Maintenant, l'objectif peut-être supplémentaire serait de résister à Alonso, mais surtout de résister à la voiture de Sébastien Vettel, ultra performante dans ses dernières boucles, alors que devant, Romain Grosjean, sur les mêmes gommes que nous, devrait lui tenir sa 6e place. Retour de Fernando Alonso dans l'épingle du fond, le pilote espagnol qui passe, et même Vettel, les deux voitures se sont infiltrées. On est en train de perdre totalement les pneumatiques, il n'y a plus de gomme sur ces pneus super soft. Vettel qui passe, il faut se blottir à l'aspiration de la Ferrari pour tenter d'aller rechercher le pilote espagnol. Est-ce que ça peut passer dans ce dernier tour? Non, ça bloque. Attention, et on peut remonter le croisement de la trajectoire de Vettel. On est à l'intérieur pour le premier freinage, le dernier tour de course. Rien n'est joué et on peut de nouveau repasser sur Vettel. Long blocage de roue et nous sommes devant le contact et Vettel en tête à queue. Vettel en tête à queue, quel dommage. Et il emmène avec lui, je crois, Daniel Ricciardo ou Max Verstappen. Les deux McLaren qui restent en lutte pour la 7e place. On joue très très gros si on ne peut pas battre Alonso sur ce tour-ci. Ça pourrait être la première fois que le pilote espagnol passe devant nous. Et ça joue très très gros. Il va nous rester une zone de DRS. Et deux zones de DRS, pardon. Un point de détection pour déterminer qui sera vainqueur de ce duel interne chez McLaren. Vainqueur de cette course, c'est Lewis Hamilton, le pilote britannique qui s'impose devant notamment Daniil Kvyat qui termine 3e. Maintenant, il passe sous notre cabine. La dernière accélération, il va falloir suivre les deux McLaren à la lutte, l'une face à l'autre. On met deux roues dans l'herbe, même un peu plus du côté du pilote belge. La relance, il est un peu loin pour profiter de tout ce que peut donner le bloc Honda, l'aspiration, le DRS. Maintenant,
sur son coéquipier avec des pneus soft. Est-ce que Van Dorn ne peut attaquer dans la dernière chicane? Le freinage à l'intérieur, le pilote belge qui s'infiltre et qui passe et qui obtient la 7ème place de ce Grand Prix. Dernière relance et c'est fait. Stoffel Van Dorn termine 7ème. Bravo pour cette belle performance. Tu as très bien couru et tu as fait ce qu'il fallait. Bien joué. Une très belle victoire pour l'écurie Mercedes aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Il est temps de se détendre et de savourer cette victoire après ce fantastique Grand Prix. Voici nos trois vainqueurs qui montent sur le podium. Et voici donc les résultats de cette épreuve avec donc le classement général. Nico Rosberg reste en tête de ce classement des pilotes devant Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton et Vettel. Quant à nous, on passe devant Daniel Ricciardo pour 4 petits points. Ça se passe plutôt bien pour nous au classement des pilotes. On va continuer avec la prochaine course qui aura lieu à Bakou et ça risque là d'être un peu plus compliqué. Au classement des constructeurs, McLaren se porte bien puisqu'elle passe de nouveau une étape avec la 4ème place entre ses mains, mais Toro Rosso n'est pas loin avec notamment un podium. Aujourd'hui, il faudra se méfier de la structure italienne. Voilà, c'était ce qu'il y avait à retenir de cette manche canadienne. J'espère que ça vous aura plu, que vous auriez été palpitamment excité par ce qui s'est passé en piste. On se donne rendez-vous très vite pour le Grand Prix d'Europe à Bakou. D'ici là, portez-vous bien et bon amusement en piste, les amis. Et à la prochaine, ciao.